Sur Facebook, vous ne savez plus qui croire. Info, intox. Elle va vous désinfecter. Bien, Gérard, y a-t-il une nouvelle question d'un confiné? Ou finesse, Léon. Ou Oui, finesse. ou finos, ou finos. Oui. Ah, chaquez bien, Léon. Il y a justement un Émile qu'elle vient de quaire dans la boîte à Émile. C'est un Émile de Madame Martinache Gilberte de Alen-les-Aubourdins. Bonjour à vous deux. Mais surtout à Gérard. Je voudrais savoir quoi et qu'est-ce au sujet que j'ai entendu dire que le Racing Club de Lens, elle va sûrement jouer à première division, mais que pour ses supporters, ça sera à huis clos. Mais ça me rassure pas, vu que m'nomme qu'il est corps fort carnassier du Racing, il est plus de première jeunesse, et que le dernier coup qu'il a sorti sa vélo, il s'est déclenqué ses loupes dans le voyette des Gardins. Elle reste quand même à 25 km de Bollard et je suis inquiète. Merci de me répondre. Et félicitations à Gérard, que même à bider, mi, je ferai des kilomètres pour aller le vir jouer. Eh bien, Gilberte, nous sommes en mesure de vous expliquer le dallage. Et je vais vous rassurer, Gilberte. Ouais, allez, on fait chaud. Rassure-le, Gilbert. Mi, j'y dirais bien de mettre des petites rolls à sa vélo, mais. Je pense, Gilberte, que vous avez mal attendu. Non, le championnat, il va recommencer, mais à huis clos, pas à huis clos. Lance, elle va plus jouer à Bollard? T'es sûr de ça, Léon? Non, c'est pas ça que je veux dire, Gérard, non. Pour éviter que le virus y se propage, les matchs y vont recommencer à huis clos. À huis clos? Ah ouais, Gilberte, ça chez Monsieur Macron, pour respecter la distanciation sociale, il a dit qu'il fallait enlever 3 joueurs dans chaque équipe. Comme ça, il y aura plus cette place sur le terrain. Gérard, huis clos, ça veut pas dire qu'ils vont jouer à 8. Ça veut dire qu'ils vont jouer, mais sans spectateurs. Si, juste 100 personnes pour les virer. Bon, à quoi j'essaierai de jouer? Ah ben ça, c'est pour les droits de télévision, de retransmission. C'est une histoire de sous. C'est très important, les sous, pour les clubs. Y aura des sous dans le football, Léo? T'es sûr de ça? Non, mais fais-toi pas de bile, Gérard, fais-toi pas de bile. Il existe déjà des applications, je l'ai vu. Tu vas pouvoir, dès ta maison, encourager ton équipe, envoyer des likes, et même canter et les encourager en criant. Et puis, ça sera enregistré et retransmis en direct dans les tribunes. Comme ça, chez JE, sur le terrain, ils auront l'impression qu'il y a quiconque. Mais il n'y aura personne. Eh ben, je suis pas prêt de vivre la fin d'un match, ami Léon. Ah ouais, parce que je suis sûr que Pupus, au bout qu'elle m'aura attendu 10 minutes cantée, elle va me foutre le cours. Hein. Ça, je suis sûr. Hein. Puis en plus, jamais, jamais qu'elle voudra m'apporter un frite en demi-temps. Jamais. Ça, je suis sûr aussi. Têteux, Gérard. Têteux.